Et bonsoir à tous, on se retrouve pour un 18e épisode de ce Let's Play sur Planet Crafter, avec aujourd'hui normalement la fin de l'étape des lacs, à l'arrivée terme de l'étape des lacs. Alors qu'on a une petite tempête pour commencer, est-ce qu'on pourrait avoir des petits astéroïdes avec de l'uranium s'il vous plaît? Pas juste des particules. Oui, non, peut-être. Non. Apparemment, non. Alors, on était un peu ric-rac en énergie, donc on va se remettre des panneaux solaires. Il va me falloir fer, magnésium, silicium, 2 cobalt et un alu. J'ai rien du tout sur moi, donc c'est très bien. Fer. Silicium, magnésium, 2 cobalt. Et ils sont où mes alus déjà? Ils sont là. Comme ça, on sera un peu plus tranquille pour la suite. Il y a un peu glitch dedans, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, les astéroïdes, ils se font tard à venir. Alors, je sais pas si j'aurai les mêmes problèmes de crash ce soir, mais je vais essayer de penser à sauvegarder régulièrement. Alors, sur quoi est-ce qu'on est à la ramasse? Donc, niveau énergie maintenant, ça va. Niveau plan, on va doucement vers le collecteur d'eau de lac. On va l'avoir assez vite. Le chauffage T4, ça va mettre un moment. On va booster peut-être l'oxygène. On venait d'avoir les biodômes T2, donc ça va mettre encore plus longtemps pour la forêt T4. Donc booster la chaleur, ce serait peut-être pas mal. Et pour la pression... Ouais. En fait, on va booster chaleur, pression et oxygène. Tout simplement. Donc... On va se faire déjà un iridium rod. 5, 6, 7, 8, 9. Parce que j'avais encore un peu de place pour de la chaleur. On est d'accord que ça, que niveau énergie, ça devrait être bon. Disette 5, oui. Silicium, titane, alu. Silicium. On a tout ce qu'il faut. On peut remplir notre couloir à chaleur. Ok, pour ce qui est de l'oxygène, on a... Ah oui, on avait débloqué le générateur d'alc T2. Produit plus de biomasse et beaucoup plus d'oxygène avec 2 pépites de bioplastique, de l'engrais, magnésium. En bioplastique, je crois qu'il m'en restait plus. Ouais, donc pour faire du bioplastique, c'était 2 champignons, un silicium et une bouteille d'eau. Oui, c'est ça. La problématique, c'était la production. Ah bah, production dont il faudrait que je m'occupe. Non. Alors la bêta pourrait être sympa aussi parce que on n'a plus besoin de faire ça en bêta. Faudrait que je vois peut-être si c'est... Ça fait un peu peur de perdre la save si jamais il y a un problème sur la bêta. Mais... T'as quoi, 92%? 93%? Et salut Demon Dracos.
Déjà, on pourrait se faire un bioplastique. Allez, ça avec quoi d'autre? Silicium, bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Silicium. Tac. Sachant que je récupérerai une aubergine, un générateur d'algues, une bouteille d'eau, magnésium, super alliage. Donc il faut un engrais et un super alliage en plus. Un engrais, c'est quoi déjà? 3 algues, un soufre, 2 aubergines. 3 algues, un soufre, 2 aubergines. Tac. Et on va aller se faire un producteur d'algues T2. Alors déjà, on va récupérer les algues. Et on va se faire ce producteur d'algues T2. Ah, j'ai pas pris de super alliage. Forcément. Forcément, c'est pas drôle si j'oublie pas un truc. Alors, t'étais où, super alliage? Ici, non? Oui. Et voilà. Du coup, j'ai de nouveau 2 algues et une aubergine. Au passage, bois un coup. Un morceau. Et range tes algues. Est-ce que je ferai un peu d'engrais d'avance? Est-ce que j'ai des aubergines en quantité pour faire d'engrais d'avance? Un peu. Et j'ai le collecteur d'eau de lac. On a dit des aubergines, des algues et du soufre. Voilà. Ça libère un peu de place. D'autant que on a des champignons et des aubergines. Ouh, nouvelle communication. Ah bah je dois avoir fini le... Yeah! On a fini les lacs. L'étape actuelle, la mousse. Alors, nouvelle communication. Riley. Utilisez des extracteurs de minerais sur différentes zones pour extraire des matériaux spécifiques et les fusées sont vraiment importantes et aident à booster votre génération de... cryptés. Du coup, toi, collecteur d'eau de lac. Pour le moment, niveau eau... niveau, je suis bien. Niveau map. On est bien aussi. On va faire un petit tour au collecteur d'ailleurs. Parce qu'il doit être plein.
Exactement. Du coup, qu'est-ce que... Ouais, un peu de tout. Du coup, un peu de tout. Je me rajouterais bien quelques panneaux solaires dans ce cas. Je sais pas combien je peux en mettre. Silicium, cobalt, magnésium. Ça, il manque. Oui, un silicium de cobalt. Non, magnésium, je l'ai. Un silicium et deux cobalt. Oh, j'ai des algues jusque là. Du super alliage ici aussi. Oh, bon endroit, super alliage. Voilà. Voilà, comme ça on se débarrasse. Et on produit de l'énergie. Ici, toi, tu dois nous produire des écorces. Ouais, je sais pas à quoi elles me servent encore, mais je les... Je sais plus à quoi elles me servent. Je crois que je les avais vues pour un craft, mais j'ai oublié lequel. Et où je te rangeais écorce? Où est-ce que j'ai rangé mes écorces? Et toi, 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 toi. On va aller faire la même chose pour l'aluminium. Parce que l'alu, ça part quand même vite. Ah oui, puis on avait visité un peu le vaisseau par là-bas côté arche. Et on avait pas tout exploré, il me semble. Donc ça serait bien qu'on y retourne. Donc, l'alu. Ça, c'est fait. Un peu de fer ici. Un peu de magnésium par là, avec du cobalt. Un peu du reste. Ah, ici, si, ça, c'est plein. Il va falloir que j'agrandisse, hein, il n'y a pas. Y a pas. Est-ce que j'ai soif? Oui. Est-ce que j'ai faim? Pas trop, j'ai un truc à manger sur moi de toute façon. Je pense quoi. Hop. On sauvegarde un coup et puis on va retourner voir du côté de cette arche. Je sais plus du tout ce qu'il restait à prendre. Je sais qu'il restait des trucs à prendre. Mais alors quoi? Oula. Cobalt, ça ne m'intéresse pas.
J'étais pas passé dans ce labyrinthe là. Qu'est-ce qui me restait? Quelques graines. Quelques autres graines. Rien de... Ah, celle-là, à la limite. Mais sans plus. On est sous l'eau maintenant ici. Un chauffage T2 que j'avais pas déconstruit. Celui-là, on l'avait lu. Ouh, un générateur à fusion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je... Qu'est-ce qu'il faudrait que j'amène ici? Ah ah. Je peux interagir avec le générateur à fusion maintenant. Si j'avais été jusque là-bas. J'ai trouvé ça. Avec de l'eau et des graines de courge, ouais. Si si, je vais totalement terminer ça. Était fait aussi. Juste ce générateur à fusion, je peux pas mettre ça dedans. Non. Je peux pas mettre de flotte dans un générateur à fusion. Donc il y a des chances que ça accepte uniquement de l'uranium ou une barre d'uranium. Là. C'est la flotte qui a pris cet aspect là. Ah bah oui. Mais dis donc. Ok. J'ai pas ramené mes graines non plus. C'est pas grave. C'est pas ce que je considère comme le plus important à faire. Ça sert à ça d'avoir des jambes quand on n'a pas de tête, ouais. Je pourrais y retourner. J'ai même pas besoin de mes jambes, j'ai un jetpack. Là-bas, il y a encore des trucs écrasés. Ah.
Ouais, une micro-puce. Je n'ai pas. Ah, par contre, ça. Ah oui. Ça, oui. Est-ce que je peux me faire, s'il vous plaît, un habitat et une porte? C'est juste ça qu'il y avait à découvrir ici. C'est déjà pas mal, mais... Et salut Samdam. Ah non, là il y a une grotte aussi. Avec de l'osmium. Ah bah voilà. De la poudre explosive, de l'osmium, engrais. Ça à la limite, oui. Ça oui. Allez, par principe, je prends tout, mais... Ok, c'était juste derrière ça en fait. Il y a des choses? Ah oui. Est-ce que je repose des trucs inutiles ici? Non. Je peux revenir relativement rapidement, ça sert à rien de déposer les choses. Alors par contre, qui dit osmium, et qui dit aussi moteur de fusée, je peux relancer une fusée. Toi, où est-ce que j'avais rangé l'osmium? J'ai bien envie de retester un extracteur. C'est quoi la recette de l'extracteur déjà? Deux osmium, une barre d'iridium, un super alliage, un alu et un titane. Un alu, on le garde. Oui, tu as soif. Bois. Toi, t'es à 100%, toi, t'es à 89. Broyeur, j'ai toujours pas fait. Recycleur non plus. J'en voyais pas l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai qui me sert à rien là? J'ai ça. Niveau graines. Ça c'est déjà celle-là, ça aussi. Est-ce que je peux mettre un... J'ai tué T3 en plus. Ça fait que 13 d'oxygène donc bon. Est-ce que je peux mettre un biodôme T2? Ça fait beaucoup d'oxygène. Ça consomme tellement d'énergie.
ça consomme tellement d'énergie que non, je vais m'en passer pour l'instant. Là, j'ai plus de place. Là, j'ai plus de place. Ah oui, le microchip. Du coup, c'est toujours pareil. Il n'y a plus de plan. Est-ce que j'ai au moins ce qu'il me faut? Faire un casier supplémentaire. Trop de fer. De fer et moi un casier supplémentaire. Tiens, l'engrais, on va le poser là. J'ai des bouteilles d'eau à ne plus savoir quoi en faire. On va les poser là. Je voulais me refaire un... une fusée d'attraction d'astéroïdes, 2 super alliages et 3 cobalt. Ça pourrait valoir le coup, ça. Déjà. 2 super alliages. Et 3 cobalt. Je vais ranger de l'osmium ici. Cobalt. 3 cobalt. Ah, raté. Envole-toi. Ouh, j'avais une 600 ici. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir, et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !